Bienvenue à cette petite méditation hein, où on va continuer à méditer. Pensez bien que une petite heure hein, de méditation, eh ben, c'est vraiment génial parce que vous récupérez au niveau de votre sommeil. La première énergie, hein, je vous le redis, la première énergie, c'est vraiment le sommeil. Donc, si vous régulez bien votre sommeil, à ce moment-là, hein, c'est bon, ça se fait super bien. Vous avez déjà mis en place quelque chose d'exceptionnel. Je remets la petite lumière, rien à la différence. Ok, alors, donc je parlais tout à l'heure des nouveaux horaires en extérieur qui sera ouvert à tout le monde, bien sûr. Et puis, c'est dans le sens de retrouver l'énergie de la pleine nature. Hein, vous voyez, ça, c'est important. Voilà. Allez, mettez-vous en place. Là, mettez-vous bien dans quelque chose de chaud. Ouais, parce qu'aujourd'hui, ben, il pleut dans toute la France, vous avez bien remarqué. Hein, et il neige ici à 1400 mètres. Voilà. Ok. Allez. Ok. Voilà. Prenez un peu plus de temps des fois pour vous installer, pour vous mettre à l'aise hein, au niveau des jambes. Hein. Même si vous êtes assis sur une chaise, voilà, mettez-vous en place, appuyez bien sur vos pieds. Sur vos 9 points d'appui. Et là, vous voyez, j'ai les mains comme ceci. Hein. Le pouce qui va en direction hein, de l'annulaire droit. Voilà. En contact et je ferme comme ceci. Voilà, tout simple. Et je pose. C'est juste pour chauffer les mains. Voilà. Merveilleux. Rappelez-vous des 5 étapes de base pour rentrer dans le temps calme, c'est la méditation de pleine conscience, de pleine présence. Et aujourd'hui, on va travailler un peu plus les mudras de lotus, avec un peu plus de conscience dans la colonne vertébrale. Les 5 étapes, hein. Je rappelle, le regard à l'intérieur, et alors donc du coup je vais toucher avec mes mains les extrémités de ma colonne vertébrale. Une main au bout de la colonne vertébrale, juste en tâtant, tâté, tati-tato. Avec les bouts de doigts, vous touchez juste, sans appuyer vraiment, hein, mais c'est juste pour créer un contact. Mais le fait de toucher, ça va vous donner la pleine conscience de votre colonne vertébrale. Ouais. C'est ça, la première étape, c'est regarder hein, votre corps. Là, essentiellement, on regarde ce qui se passe tout le long de la colonne vertébrale. Est-ce qu'on peut étirer la colonne vertébrale?
qu'on peut la décontracter. Trouver le juste milieu. Dans la pratique du Qigong, du Tai Chi et de la méditation, c'est avec votre tronc que vous travaillez, donc avec la colonne vertébrale. J'ai toujours une main hein, juste au-dessus du sacrum. Et puis, vous allez pouvoir porter votre conscience sur vraiment l'ensemble de la colonne vertébrale, toutes les côtes, tout ce qui entoure la colonne vertébrale. Et donc, cette pleine conscience va se porter sur le socle, évidemment, sur les ischions, les cuisses. Et c'est ça qui va vous stabiliser, qui va vous permettre, grâce à cette base, de bouger à droite et à gauche. Vous voyez ? Je bouge un peu. Un millimètre à gauche, à droite. Et pour ce faire, hein, rentrer dans l'axe, c'est pouvoir connecter la langue sur le palais mou. Toujours avec un petit sourire. Le sourire qui est gratuit, de pleine présence. Ou un sourire, on donne plein de sourires à l'ensemble de la colonne vertébrale. Ce qui est bien, c'est que la colonne vertébrale peut s'étirer d'un côté, de l'autre, en haut, en bas, derrière, grâce à cet appui de vos ischions. On va changer de main pour bien équilibrer. Voilà, la main du dessus, hein, on est sur la boule du bœuf cervicale, vous voyez. Sans effort, hein, juste c'est mettre les mains sur une zone. Est-ce que je peux créer une décontraction. Est-ce que je peux poser des ondulations aussi? Est-ce que je peux me pencher un petit peu en avant pour étirer le tout et le relâcher. C'est un peu comme dans votre vie. Hein. C'est pareil. Dès qu'on va dans les extrêmes, ça ne va plus du tout. On ne vit plus pour soi-même. Ouais, donc... Trouver chaque fois le juste milieu. Voilà. Et avec votre pouce derrière, hein, je dessine la colonne vertébrale, je la touche. Voilà. Puis je vais mettre mes deux mains entre jambes. Tirez votre pantalon là pour qu'il y ait un peu plus d'aise. Entre jambes et le bout des doigts dans le chakra racine, c'est-à-dire dans les parties génitales. Donc là, vous avez bien
la pleine conscience du bassin. C'est un peu la racine aussi de votre colonne vertébrale. Et c'est un peu aussi, donc, du coup, la base. La base pour mettre en place cette circulation énergétique dans tout le corps. Voilà. Vous avez vu, j'ai les mains comme ceci, hein, bien rentrées dans les parties génitales, et ceci entre jambes. Voilà. Avec vos mains, vous allez réchauffer tout l'ensemble de votre bassin. Et pareil, vous allez apporter de la joie, du sourire, de la bienveillance à votre petit guide. Massez vos parties génitales avec le bout des doigts. Ça fait partie de votre corps. Chakra racine a besoin d'être massé, besoin d'être tonifié pour qu'il soit bien vivant tous les jours avec vous-même. Dès que vous allez travailler sur le chakra racine, forcément, vous allez donner de l'assurance à tout votre corps, puisque c'est la base, bien sûr. Dès que les mains vont se réchauffer, que vous allez chauffer tout l'ensemble de votre bassin, à ce moment-là, cette chaleur va se propager tout le long de la colonne vertébrale. Quand vous appuyez avec le bout de doigt dans vos parties génitales, ne mettez pas d'effort musculaire, juste sensibiliser cette partie-là qui est importante, qu'on ne touche pas assez, qu'on oublie à des moments, hein. Et rajouter des mouvements, des droite-gauche, des ondulations dans toute votre colonne vertébrale. Est-ce que je peux m'étirer? Est-ce que je peux détendre le tout? Et tout ça en appuyant sur les ischions, sur les trous fessiers.
Sentez que ça chauffe dans le dos, ça se propage, cette énergie naturelle, la sève de votre tronc. Voilà, c'est le printemps, hein, donc c'est bien de nettoyer tout ça, un nettoyage de printemps. En appuyant sur l'entrejambe et en plus hein, sur les parties génitales, je vais pouvoir rentrer le ventre un petit peu. Et respirer avec la gorge. Première respiration. Respiration du vent. Exagérez dans votre expiration. Chaque fois, rentrez le ventre à l'inspiration. En vous concentrant dans le tantien inférieur. Le point vital qui relie le corps dans son entier, dans son unité. Appuyez dans vos parties génitales. Même si c'est sensible, prenez soin de vous-même. Exagérez dans l'expiration. Le vent souffle. La respiration est exagérée. Respiration du vent qui se propage dans tout le corps, jusque dans les orteils, qui peuvent bouger un petit peu. Relâchez vos épaules. À des moments, vous rentrez le ventre, à des moments, vous relâchez le ventre, comme vous voulez, c'est libre.
comme le dragon qui est dans votre sacrum, dans vos parties génitales, et qui se balade dans toute la colonne vertébrale, qui se propage avec tout son corps dans des spirales infinies. Mettez en place un petit cercle, vous voyez, au niveau de vos bouts, de vos doigts. Ouais, au niveau du périnée, vous voyez, au niveau du périnée, anus, partie génitale, il y a un petit cercle qui se met en place, ouais, et qui se répercute et qui monte petit à petit le long de votre colonne vertébrale, comme si vous étiez en train de nettoyer toutes les petites tensions, les bonnes, les mauvaises. Avec un sourire qui vous fait du bien. Réveil du dragon. Les mains montent. Les bras comme ça. Étirer. Se relier troisième œil au ciel. Et là, pareil, est-ce que je peux relier le chakra racine à vos racines? Et je souffle, je descends. Je ramasse la terre. Je renforce à gauche et à droite, mes mains qui discutent avec mes racines. Deuxième fois, la même chose. Je regarde à droite. À gauche. Connexion troisième œil ciel. Faites parcourir le vent. Descendre. Dernière fois.
Regardez à droite. Se relier. Et pareil, mettez bien les mains dans vos parties génitales, dans le chakra racine. Deuxième respiration, respiration de l'eau. Ça tombe bien parce qu'il pleut aujourd'hui. Vous entendez l'eau qui ruisselle tout le long de votre corps. Et grâce à votre souffle que vous avez mis en place, l'eau peut se produire, l'eau peut créer un mouvement rond, fluide et stable, puissant, très fort. Faire jaillir la source limpide dans votre chakra racine. L'eau qui calme le feu du cœur. Rajoutez la couleur bleue dans le chakra racine, dans votre bassin. Ça inclut l'anus, le sacrum, tantien inférieur, devant de votre ventre, le début de la colonne vertébrale, le début des jambes, les ischions.
Une jolie boule bleue, turquoise, bleu verte. Embellir cette boule pleine de sourires, pleine de joie à l'intérieur de vous. Grâce à l'eau qui descend le long de votre corps, cette boule du chakra racine se renouvelle à chaque instant, petit à petit. Le bassin est en perpétuel mouvement, toujours un millimètre par millimètre. Sentez que ça vous fait du bien. Tout cet aspect du féminin ou du masculin qui est en vous. Caressez avec vos mains votre chakra racine, sans bouger les mains bien sûr, mais en imaginant qu'avec vos mains, vous tenez cette boule. Pour l'embellir. Cette boule va devenir petit à petit rose. Rose comme une aubépine avec plein de pétales d'amour. Rapprochez-vous de quelqu'un que vous aimez profondément. Troisième. Respiration du feu. Respiration du soleil. Passez de la couleur rose à la couleur rouge. Couleur rouge. À partir du chakra racine. Rouge comme le coquelicot. Rouge jaune doré comme le grand soleil du Sahara. Vous avez eu le vent hier du Sahara, hier avant-hier. Sentir cette force naturelle. Respirez
Inspire. Montez cette boule le long de votre colonne vertébrale, le long de votre tronc, dans votre sève. Respiration chaude. Sortir les mains de votre chakra racine. Sentir avec vos mains en direction du chakra racine. Que ça englobe tout le bassin. Ici, prenez l'énergie terre avec vos mains. Soufflez. Les mains vers le ciel, devant. Créez cette opposition en mains et colonne vertébrale. Ouvrir le troisième œil, les mains dans le troisième œil. Le réveil du souffle du dragon. Dragon de feu. Main dos à dos. Allez chercher devant. Faites participer rien que la colonne vertébrale. Étirer, détendre les extrémités. Posture du cœur. Les mains se frôlent tout le temps. Les doigts bien présents. Sentir cette chaleur qui rentre dans la tête, dans le cerveau. Respiration du soleil. Les mains qui touchent sur les côtés. La même chose. Sans explication. Pas besoin de regarder l'écran, faites vous-même. Touchez le chakra racine avec vos doigts. La boule du soleil qui monte en direction de la tête, du crâne, le crâne illuminé, lumière dans le crâne, sourire du soleil. Sourire dans chaque rayon de soleil qui illumine votre corps.
Sentir cette chaleur entre vos mains et votre crâne. Le crâne plein de lumière à l'intérieur. Donnez de l'amour à votre chakra racine par le soleil. Dernière fois. Renforcez votre chakra racine. Main gauche sur main droite. Appuyez à l'intérieur entre jambes. Chaleur dans le chakra racine, dans tout le corps, jusqu'au cerveau. Incluez bien votre vessie aussi et tout ce qui l'entoure. Le corps du dragon vert réveille. Les mains dans la terre. Les bras ronds, doigts face à face. Le pouce. Quatrième respiration de la lune. Chakra racine stable.
Appuie sur ta partie droite de ton corps pour ouvrir ta partie gauche lentement. Ta partie droite plus basse que ta partie gauche au niveau des bras. Tu inspires. Tout souffle. Ramener dans Fontanelle. Devant les genoux. Malaxer la terre, le sable. Respiration de la lune. Ramassez la lune avec vos mains pour la faire descendre par la fontanelle à l'intérieur. La lune blanche, lumière de la lune, respirée par la lune. Fraîcheur de la lune. Lumière de la lune dans tout le corps. Balancé à droite, j'appuie dans mon pied gauche. Ondulé comme un dragon vert, tournez les mains vers le ciel. Regardez main droite. La lune est dans tout le corps, rentre à l'intérieur. Devant les genoux, malaxé. Conscience du chakra racine blanc, nacré, appuyé dans votre vessie, périnée, anus, partie génitale, dantienne inférieure, boule ronde. Tout le long de votre colonne vertébrale, blanc. Blanc comme les eaux.
blanc, lumineux comme un diamant, comme une pierre de lune, avec ses reflets. La lumière de la lune est tellement forte qu'elle sort du corps, qu'elle transperce tout le corps. Le chakra racine est de plus en plus grand. Les mains se posent sur les cuisses. Les mains vers le ciel. Sourire de la lune. Index et pouce de la main gauche se réunissent. Croix intestin, poumon. Index touche pas le pouce, mais le frôle. Et avec votre main gauche, comme si vous preniez un pinceau, vous allez dessiner la fleur du lotus blanche, nacrée, faire tous les contours de la fleur de lotus en direction du chakra racine. Plein de pétales. Sur les côtés, en rondeur, oxygéner les pétales qui flottent sur l'eau. Automatiquement, dès que vous dessinez un pétale devant sur le côté à gauche, hop, il y en a un qui se met, qui se forme automatiquement derrière vous. Et pour cela, la main droite va vous aider. Main droite se relie à la main gauche. Laissez agir. Les pétales sont tout doux, légers et forts à la base. Dernier pétale. Dessinez votre pétale à l'aide de votre colonne vertébrale. De votre chakra racine. Pour
Posez vos mains. Toute la partie gauche est pleine de pétales. La même chose de l'autre côté. Index et pouce se frôlent. Main gauche qui accompagne. Tout doucement. Dernier pétale. Vos mains vont se poser très doucement sur vos cuisses, très très lentement. Relâchez vos épaules et vos coudes. Votre corps est en pleine lumière. Apaisé, calme. Votre chakra de racine est rempli d'amour.
avaler la salive sucrée. C'est fini. Tous vos doigts sont pleins de lumière blanche, de diamants. Caressez, frôlez votre visage. Sentir cette lumière qui vous a envahi à l'intérieur de votre corps, dans les oreilles. Une lumière pure. Voilà. C'est bien pour aujourd'hui. Avez-vous des questions? Étirez-vous. C'est bien. Voilà. Avez-vous des questions? J'ai été très surprise de voir comment ma colonne s'est tirée. T'as vu ça? C'est génial, hein? Ah ouais, c'est impressionnant. T'as vu, c'est ultra génial. Ouh là, on a fait un peu trop là. Ouh là, 9h15. Oui, d'accord. Eh bien, dis donc, on a Ah, les fait. pétales. Moi, j'ai beaucoup aimé les pétales de lotus. Les J'ai pétales de tout au lotus, milieu vous avez vu? de la fleur, Ouais. vraiment. C'était superbe. Ouais. Ouais. Oh. Pour une dernière, c'est extraordinaire. Ah ouais. Ouais. Hein. J'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, Ah ouais. les lotus, les pétales, t'as bien dessiné les pétales. Ouais.
J'ai l'impression d'avoir dessiné beaucoup de pétales. Je te dis d'être au cœur vraiment de la fleur de lotus. C'était très agréable. Oui, vous voyez, vous pouvez reprendre des petites séquences comme ça. Vous avez eu la sensation dans vos mains? Ouais. Ah oui, aussi, oui. Ouais. C'est extraordinaire, Merci. hein? Vous voyez que la méditation, c'est quand même quelque chose hein, qui aurait cru qu'on serait arrivé jusque-là, hein, vous voyez? Voilà, là, vous avez médité pour la journée, je crois. Ah oui, là. Ça va, Au revoir. Claire? Ouais. Apprécié. Super. Oui. Très Ouais. bien. Super. Ouais. T'as un beau regard, là. Super. Ça a été, Catherine? Ouais. Ouais, très très chouette. Beaucoup de ressenti à la fin dans les mains et aussi au niveau de la colonne. Comme je bougeais un tout petit peu, très subtilement, si tu veux, je sentais que ça craquait un peu, tant dans la colonne, mais très doucement. Et aussi au niveau des organes, il y avait comme comme des sons, comme quelque chose qui se réveillait aussi un peu. Vraiment très très chouette. C'était très très beau, très complet. Ouais. Très joli. Et merci d'être Vous avez aussi créatif et Ah imaginaire. oui, C'est magnifique. Ouais, hein. bien sûr. C'est une grande beauté. Chakra racine. Ouais. Vous Ah voyez, le oui, chakra racine, c'est super. important. Hein. C'est important, c'est la base, en fait. Ouais. Alors, on ne se touche pas assez parce que, bon, ben voilà. On pense que ça ne fait pas trop partie du corps, hein, mais c'est une partie qui devrait être le plus touchée. Ouais, parce que, ben, effectivement, ça renforce tout le bassin. Hein, donc, voilà. C'est C'est impressionnant. intime, hein, à titre intime, mais je pense que oui, c'est une partie centrale du corps. Hein. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Ça Belle a prise été de. Françoise? La prise de conscience. Hein. Ça a été Françoise? Un Oui, petit mot pour la ça a fin? été. Après, moi, j'adore la lune, le soleil, le vent, la pluie. Ouais. Voilà. Et travailler sur le chakra racine, mais voilà. Effectivement, c'est une base incontournable, je pense. Et là, Ouais. ça nous aide à prendre conscience de cette Prendre zone-là aussi. conscience. Ouais. Et donc, tu vois, du coup, ce qui est intéressant, c'est que chakra racine, il peut se raccorder aux autres chakras à partir du moment où Voilà. il est fort et que tu l'intensifies. Et notamment au niveau du chakra de la gorge, tu vois, de la Gorge. communication. Et donc, Oui. du coup, il y a le travail de chakra gorge et chakra racine. Et c'est Ouais, pour ça que c'est vraiment un très bon travail à travers, hein, bien sûr, les quatre respirations. Hein. Qu'il y a un lien qui se crée. Ouais, d'accord. Et oui, alors ça, ce C'était lien, là. je l'ai intuité. Le lien, je l'ai intuité. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand on prend compte, il y a une explication sûrement. On respire avec la gorge. Oui. 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 Mais ça me fait Il y a, comme il y si c'était a... un réflexe. Si tu veux, c'est un réflexe de détente. Quand tu respires par la gorge, comme je vous ai fait faire, il y a une détente, si tu veux, au niveau des cordes vocales. Et donc, du coup, il y a une respiration énergétique qui s'établit dans le tronc du corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était tellement complet, de par mes recherches. C'était la spéciale Sylvain. Spéciale méditation Sylvain Disserne, de par mes recherches, tout ça est relié dans toute la colonne vertébrale. Et c'est ça qui fait le pont, finalement. Le pont. Voilà. Donc, c'est pour ça que on voit souvent, tu sais,
les dessins chinois ou d'un temple où il y a toujours un pont. Vous n'avez jamais remarqué? C'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est La joli, force. ouais. La force du pont. Et la force du pont, et ben elle est là. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il peut avoir, C'est beau. il peut avoir tellement de difficultés pour monter et pour descendre, parce qu'il faut pouvoir le monter et le descendre, ce pont. Après, Marie-Noël, elle va pouvoir venir, je pense, dans l'histoire du pont, parce qu'elle a des connaissances. Je suis en train de la regarder, je vois ce qui se passe dans sa petite tête. Et à faire Du qu'on coup, retravaille, ouais. voilà. Et donc, si tu veux, Françoise, cette idée du pont, il y a cette explication où, à un moment donné, on est déstabilisé. C'est-à-dire que y a trop de choses qui se passent. On est comme une histoire d'étouffement, de prise de conscience, comme vous avez eu. Et là, à ce moment-là, on se laisse le temps de descendre ou de monter ou de rester en haut du pont. Voilà. Et du coup, c'est pouvoir. C'est quelque chose qui n'est pas figé, vous voyez, qui a toute sa liberté. Donc, du coup, l'image du pont, pour moi, est très, 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 très intense, dans le sens où c'est Oui. le pont de l'infini. Le pont de l'infini. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est forcément cette image-là, elle restera très fortement là, dans notre cœur. Ouais, d'accord, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Françoise ou Marinois? Non, Non, mais non. c'est pas. Bon, Revoir. écoutez, je vous souhaite une Bonne bonne journée à tous. Peut-être demain matin. que Sylvie, Bonne journée. Sylvie voulait peut-être rajouter un mot. À On demain. a oublié Sylvie. À demain. Au revoir. Sylvie, tu Au voulais dire revoir. un petit mot? Au revoir à tous. Un petit mot de Merci Sylvie, beaucoup, non? Sylvain. Difficile pour moi, mais très intéressante. Me dit Sylvie, eh bien, on se quitte avec ce petit mot d'amour. Et donc, du coup, je vous dis à demain, 8h, 8h, 9h, Qigong, et 9h, 10h, Tai Chi Chuan, les dernières visios de la semaine, des vacances. Et on se retrouve en plein extérieur. À partir de la semaine prochaine, il fera super beau. Allez, ciao, Merci ciao. beaucoup, Merci. Sylvain. Belle Merci. journée. Belle journée Merci, à tous. Sylvain. À Merci. bientôt. Bonne journée. Merci. Salut, salut.